Bonjour à tous, eh bien prenons encore un instant ce matin pour lire et méditer un autre passage du Livre du Ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté et je te demande eh bien, de venir toi-même méditer ce passage à travers ma bouche. Je te donne tout ce que je suis et je voudrais vraiment devenir un instrument entre tes mains. Jésus, sers-toi de ma vie pour te glorifier et te ramener des âmes. Dispose mon cœur, mon intelligence pour que chacun des mots que tu as bénis dans ce passage que tu nous donnes eh bien, puisse fructifier pour toi, pour ta gloire, Seigneur. Merci Seigneur, envoie-moi ton Esprit Saint et viens toi-même et bien méditer ce passage à travers ma bouche. Alors c'est le passage du 18 septembre 1917. C'est Louisa qui parle. Poursuivant dans mon état habituel, je souffrais beaucoup parce que m'étant apparue, ma céleste maman était toute en pleurs. Je lui ai demandé « Maman, pourquoi pleures-tu » Elle me répondit « Ma fille, comment pourrais-je ne pas pleurer quand le feu de la divine justice veut tout dévorer ? Le feu du péché dévore tout le bien dans les âmes, et le feu de la justice veut tout dévorer ce qui appartient aux créatures. Voyant que le feu s'étend, je pleure, alors prie, prie. Je souffrais aussi à cause de la privation de Jésus. Il me semblait que sans lui, je ne pourrais plus tenir longtemps. Ému de compassion pour ma pauvre âme, mon aimable Jésus vint. » Et me dit « Ma fille, patience, la constance dans le bien, mais tout en sécurité. » Vous voyez ici, Louisa souffre doublement parce qu'elle souffre de voir Marie en pleurs face à la justice divine qui lui demande de prier et souffre de l'absence de Jésus. Elle souffre terriblement de ne pas le voir. Et Jésus lui dit « Eh bien voilà, dans l'aridité, dans la difficulté, dans les souffrances, eh bien la constance dans le bien, mais tout en sécurité. Quand tu es privé de ton Jésus et que tu combats entre la vie et la mort à cause de la douleur que cela te cause, c'était vraiment ça que Louisa ressentait, elle avait l'impression de mourir continuellement. Et que malgré cela, malgré toutes tes souffrances, tu demeures constante dans le bien et ne néglige rien, tu es en plein combat. » Donc vraiment, Jésus dit que ce qu'elle fait, lorsqu'elle est dans la difficulté, qu'elle est dans la souffrance, qu'elle ne se sent pas bien, parce qu'elle se sent comme en train de mourir, parce qu'elle ne voit pas Jésus, et qu'elle continue à l'aimer, à faire des réparations, à s'unir à lui, à prier au nom de tous, à demander pardon au nom de tous, à aimer Jésus au nom de tous, eh bien, il dit que cette constance-là va mettre tout en sécurité. Et vraiment, cette constance, eh bien, quand elle est dans cette constance au milieu des épreuves, c'est comme si elle était en plein combat. À travers ce combat, l'amour-propre et les satisfactions naturelles te quittent. Donc tout ce qui est profondément dans la volonté propre, eh bien ça sort du cœur. Le cœur peut être vraiment purifié. Ta nature est laissée comme défaite et ton âme devient pour moi un jus si pur et si doux que je le bois avec beaucoup de contentement. Donc ça apporte vraiment du bonheur à Jésus, de la joie, des délices à Jésus. Lorsque vraiment nous persévérons dans notre amour pour Jésus, dans notre volonté de lui plaire, même si nous sommes au milieu des tribulations, des tempêtes et des obstacles. Ensuite, je me ramollis et je te regarde tout rempli d'amour et de tendresse, ressentant tes souffrances comme si elles étaient miennes. Donc Jésus vraiment, quand il voit que l'âme continue et est constante dans la prière malgré les épreuves, eh bien, il est tout touché, il utilise le terme ici, je me ramollis de tendresse et je te regarde, vraiment, et je ressens tes souffrances, comme si tes souffrances étaient les miennes. Si tu es froide, aride ou autre chose, et que tu demeures constante, combien de renoncements additionnels tu réalises? Voilà, c'est difficile dans l'aridité, eh bien, de continuer dans la prière. Eh bien, donc, c'est vraiment des renoncements additionnels que l'on va faire pour les offrir à Jésus. Et Jésus, eh bien, est vraiment heureux. Il le voit, il le sent. Et à ce moment-là, il dit à Louisa, eh bien, dans ce cas-là, tu formes encore plus de jus pour mon cœur passionné. Donc, il prend vraiment la métaphore, l'exemple, eh bien, de chaque acte fait dans la constance, même si c'est difficile, est comme un nectar délicieux pour Jésus, qui vient vraiment nourrir le cœur de Jésus, qui vient lui apporter du réconfort. Et quand on continue
et qu'on renonce encore à des choses, peut-être des réconforts purement humains, qu'on renonce à cela et qu'on continue, qu'on persiste vraiment à rester tout près de Jésus, uni à sa croix, eh bien on forme encore plus de ce nectar réconfortant pour le cœur de Jésus. Il en est comme pour un fruit qui a une pelure épineuse et dure. Donc il va prendre un nouvel exemple. Il dit voilà, c'est comme un fruit délicieux, mais autour il y a vraiment une grosse peau épineuse et dure. À l'intérieur, donc c'est vraiment à l'intérieur de cette peau toute dure, de ces épines, eh bien, il y a vraiment une substance douce et utile. Si la personne est constante à enlever les épines, alors, en pressant le fruit, elle va en savourer toute la substance. Elle pourra bénéficier de ce délicieux fruit si elle a eu la constance, eh bien, de retirer les épines. Et elle va pouvoir, eh bien, offrir ce nectar à Jésus. Le pauvre fruit est ainsi vidé de son contenu et sa pelure épineuse jetée. Pareillement, à travers la froideur et l'aridité, donc tout ce qui représente voilà, la dureté de la peau du fruit, toutes ces épines, etc., l'âme rejette les satisfactions naturelles et se vide d'elle-même dans la constance. Donc vraiment, l'âme va dans la constance permettre à Jésus eh bien, de nettoyer son cœur, vraiment de se vider des choses du monde, de se vider des choses purement terrestres, de se vider des choses qui résultent de notre volonté propre. Et donc ça permet plus de lumière, ça permet plus de place pour Jésus, ça permet vraiment dans la constance, eh bien Jésus voit notre intention de lui plaire et donc il peut opérer ce travail. Si un jour on est dans la divine volonté, on veut plaire à Jésus, que le lendemain, eh bien on n'a pas le temps, on oublie, voilà, et on se dit on refera ça un peu ce week-end, eh bien il n'y a pas cette constance qui permet à Jésus de venir commencer et vraiment établir son travail minute après minute dans notre cœur et vraiment créer un beau cœur vidé de tout ce qui est mauvais pour s'y établir. Voilà. Elle reste avec le fruit pur et doux du bien dont je me délecte. Si tu es constante, tout contribuera à ton bien et je te donnerai ma grâce en abondance. Donc le Seigneur nous appelle une fois de plus aujourd'hui à la constance. Voilà, c'est vraiment cela qui va être un gage de notre amour, de notre confiance en lui. Dire voilà Jésus, je ne sais pas comment on vit dans ta divine volonté. Je lis et je souhaite recevoir ce cadeau, ce prodige des prodiges. Je ne sais pas très bien comment on doit faire, mais je vois qu'ici, il y a une clé que tu nous donnes. C'est la constance dans nos prières, la constance dans nos actions, dans nos actes faits en union avec toi. La constance dans notre demande, voilà notre demande de pouvoir te laisser tout, Jésus, te laisser toute la place. Et vraiment, grâce à cela, tu nous dis que voilà que non seulement ça va t'apporter le réconfort eh bien, qui va être agréable pour ton cœur blessé, mais aussi que tu vas venir nous remplir de tes grâces, de tes bénédictions en abondance, comme un torrent sur notre âme qui va venir nettoyer eh bien, toutes nos impuretés et nos imperfections. Donc voilà, maintenant, nous avons une clé, nous avons et bien la clé de la constance et donc prenons cet engagement et bien de tous les matins voilà à notre réveil on ouvre les yeux on donne notre journée à Jésus et ça va être cela la constance le matin le soir on peut faire un petit audit de notre journée voilà essayer de réfléchir à ce qu'on a fait bien refaire notre journée dans la divine volonté de Jésus si on a oublié de l'appeler et vraiment demander pardon pour toutes ces fois où nous avons chuté nous avons oublié de l'appeler demander pardon pareillement et bien pour tous les hommes qui n'ont pas appelé Jésus pendant la journée qui ont fait des actes des paroles qui ont parlé, qui ont marché, eh bien, complètement en se dissociant de la divine volonté. On peut refaire cela le soir. On peut vraiment faire un petit état des lieux de notre journée. Et alors, petit à petit, eh bien, essayer de rajouter des actes dans la divine volonté. Voilà, peut-être toutes les fois où on prend la voiture, on peut dire, voilà, Jésus, je conduis dans ta divine volonté. Toutes les fois où on mange, Jésus, je veux vraiment que tu bénisses ma nourriture, je t'aime et je voudrais vraiment que ce soit toi qui vienne t'alimenter à travers cette action que je t'offre, Jésus, complètement unie à toi. On peut dire, eh bien, je t'offre tous mes mouvements conscients et inconscients. Je t'offre, eh bien, par exemple, toute ma matinée, je la refais dans ta divine volonté pour que chacune des microsecondes, eh bien, te rende gloire, t'apporte, eh bien, de la joie, que chacune des microsecondes faites en union avec toi puisse éclairer les ténèbres ici-bas. Sur la terre, que chaque acte fait vraiment soit refait par toi et puisse illuminer les âmes, puisse sauver les âmes du purgatoire, puisse convertir certaines âmes, en sanctifier d'autres, etc. Donc vraiment, nous devons prendre cette habitude de la constance et ces moments que nous prenons jour après jour pour Jésus, des moments d'amour, de réparation pour lui, pour sa maman, ces moments pour essayer de comprendre mieux
la divine volonté pour pouvoir la désirer davantage, eh bien ce sont des moments que nous pouvons offrir au nom de tous, vraiment pour comme gage de notre amour et de notre volonté de vouloir changer, de nous abandonner complètement entre les mains de notre Jésus chéri. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.